Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo unboxing d'un colis Star Wars, comme vous avez pu le voir. Alors, il s'agit d'un colis que j'ai acheté via une pub sur Facebook, le truc que je fais jamais, et que vous ne devriez jamais faire d'ailleurs, parce que la plupart des pubs qui apparaissent sur Facebook, c'est de l'arnaque, hein, surtout quand c'est des trucs pas chers. Mais bon, là, comme j'ai vu que ça venait du site Zavi, Z-A-2-V-I, il me semble, je sais que c'est un site réel qui existe, donc je me suis dit... Je vais essayer, puis comme c'était pas cher, on verra bien si ça vient. Sinon, comme j'ai payé par PayPal, je me ferai rembourser. Et c'est venu, j'ai le colis ici. Donc, ben, plutôt que vous dire ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir ensemble. J'ai déjà ouvert le scotch. Alors, on retrouve évidemment des bulles de protection. Et donc, la promotion était de 16,50€, il me semble, plus 1,50€ de livraison. Ça m'a fait en gros 18€ pour un t-shirt Star Wars, style vintage, Han Solo. C'est d'ailleurs surtout pour ça que j'ai acheté le truc. J'ai trouvé le t-shirt super génial. Et deux Funko Pop. Funko Pop. Alors personnellement, j'aime pas les Funko Pop. J'en ai aucune. Enfin, c'est pas vrai. J'en ai juste quelques-unes de la collection des Fraggle Rock, je ne sais pas si vous connaissez, les anciens connaîtront, parce que bon, j'adore cette série des années 80 de marionnettes, et elles font pas très Funko Pop en fait, tout comme celle-ci, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Perso, je trouve les yeux comme ça, bon, c'est pas trop mon délire. Après, je comprends ceux qui les aiment bien, puisqu'elles sont toutes mimi, toutes rigolotes, donc pourquoi pas, mais bon, pas très fan. Et du coup, il s'agit donc de la Funko Pop Enfys Nest du film Han Solo. Sans le reflet, s'il vous plaît. La voilà dedans. Ainsi que du droïde L337 de Lando Calrissian. Que l'on voit aussi. Donc, comme vous pouvez voir. Elles font pas très Funko Pop au niveau des yeux et tout ça. Bon, la taille et tout ça. Elles font plutôt mini. Donc, je les ai trouvées assez fun. Et pourquoi pas en décoration sur mon bureau, par exemple. Ici, ça vous montre la collection qu'il y a dans cette série-là. Donc, voilà. Maintenant, ça... Ça s'ouvre. Alors, est-ce que c'est des fausses? Est-ce que c'est des vraies? Je ne sais même pas s'il y a des fausses Funko Pop. Sûrement, d'ailleurs. Mais bon, là, visiblement, on a toutes les marques ici. Ça m'a pas l'air d'être du faux. Made in Vietnam. En tous les cas, je m'en fiche. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le produit pour 18€. C'était une promo. C'était vraiment pas cher. Donc, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Ça vient dans un blister qui s'ouvre avec comme ça. Tac. Et en bas aussi. Ah, d'accord, ça fait un petit peu une bubble head. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais sympa tâche. Vous pouvez voir un peu plus en détail. Avec son petit socle, il dit Star Wars. Sympa, moi j'aime bien. Écoutez, je vais la poser là en attendant. On va ouvrir l'autre. L'autre qui a un petit défaut, j'ai déjà remarqué. Enfin, un défaut qui peut être réglé. Vous voyez son arme là, elle est tordue. Elle est tordue, mais ça avec du... Avec un... Oh, elle est lourde cette par contre. Elle est beaucoup plus haute que l'autre. Elle est plus grosse aussi. Avec un sèche-cheveux ou de l'eau tiède, chaude même, je pense que je peux le redresser. Ouais, sa petite arme qui est tordue. Et son petit socle, et toujours la tête qui...
Je savais pas qu'elle faisait ça, les Funko Pop. J'ai pas déballé mes Fraggle Rock, donc je ne sais pas si c'est la même chose avec toutes, mais en tout cas celle-ci ça fait assez rigolo quoi. Bon, donc voilà, ces deux Funko Pop assez mignonnes pour mettre sur un bureau ou quelque chose. Perso, moi j'en fais pas la collection, donc voilà, ce sera pour ça, pour la déco. Et un t-shirt Han Solo vintage, je trouve génial, pour 16,50€, 18€ au total avec les frais de port, sur zavi.com ou .fr, je sais pas. C'est pas une vidéo sponsor, hein, donc je leur fais pas de la pub, je vous partage juste en fait la promo que j'ai eue. Ça se trouve, quand vous regardez cette vidéo, il n'y a déjà plus la promo. Mais en tout cas, ça vous montre un peu à des produits sympas que j'ai récupérés. Voilà, bon, ce sera tout. J'espère que ça vous a plu, ces petits goodies que je me suis procuré de Star Wars. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo ou un commentaire même. Et puis, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis, comme d'habitude, continuez à collectionner et que la force soit avec vous.